là je fais croire, il y a un craquette. Moi j'avance vite. Oh, il a fait dormir Rodgerton. Ouais les frérots, alors je vous parle là, je suis au local là. On est mardi 20 août. Voilà, là je suis en train de tout réserver les gars pour aller à Bachin Berlin. Voilà, je voulais faire un petit vlog tranquillement à l'aise. Bon, l'absence des débris, c'est parce qu'il pleut. Et non, vraiment là, ça s'est fait. Encore une fois, les mecs sur le tas. À la base, je comptais pas y aller. Et même à la base, les mecs de base, je devais faire du catch en Belgique. Bon, malheureusement, j'ai annulé pour aller voir Bachin Berlin. Mais mon projet catch, il arrive fort. Voilà, juste ça a été reporté. La dédicace au frérot là qui m'a plugué là-dessus. Mais là, je suis en train de regarder les gars, Félix Bus. 12 heures de bus. Non, ça va acheter du thon à la catalane. Ça va faire des sandwichs. Non, les gars, là, ça va être dur. Carrément, l'hôtel, les gars, j'ai pris une capsule. Là, je fais des économies au max, là, juste pour pouvoir y aller. En plus, la carte, franchement, je suis un peu hypé. Pas vous mentir. Et oui, les gars, le Sadio Tour Europe. WWE, les gars, ne fait que de continuer. La WWE, c'est quand vous voulez me sponsoriser. Juste à genoux. S'il faut sucer, je vais sucer. Voilà, il faut le dire. Là, j'ai payé. Bon, là, je vous dirais, j'ai payé combien là. Ça m'a fait cher. J'ai payé SmackDown, ça m'a coûté 103 euros. En vrai, c'est pas si cher que ça. Genre, quand tu connais les prix pour assister à un show de catch, surtout en Europe, c'est pas le scandale du siècle. J'ai payé SmackDown 103 euros et Bachin Berlin 311 euros. Ça va, je suis quand même bien placé. J'ai payé l'hôtel, mais là, j'ai pas encore payé l'avion. Non, je vais demander à ma famille là. Ouais, s'il vous plaît, on voyait un peu l'argent là. Je dois aller quelque part là. Mais on va faire des prêts, les gars. Là, ça c'est mon moment là, les gars. La famille vient t'aider. Là, c'est la chaîne T. Non, vraiment, là, moi, je suis content. Là, vous voyez pas? Je suis content, les gars. Oui. Donc, si vous voyez, je fais des pubs pour Timou, je sais pas quoi. Eh. Pas besoin d'argent, c'est tout. Voilà. Et si vous savez pourquoi il n'y a pas de Main Event ce mois-ci? Parce que, hein, voilà. Main Event, ça arrive, les gars, ça arrive, hein. N'inquiète pas, tous les deux mois, en vrai, c'est un bon rythme, non, tous les deux mois. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Non, les gars, à l'heure, je vous parle. La tête d'homme, la souris, elle est trop là. Elle est dans le sac poubelle. Non, c'est vraiment insoutenable, il faut le dire. En plus, je crois, j'ai capté qu'il y en ait deux. Il n'y en a pas une, il y en a deux. Putain, j'ai peur. J'ai vu? Non, pitié. Laissez-moi. Laissez-moi. Non, les gars, la souris, elle est là. Elle est là pour de vrai, les gars. Là, j'ai peur. J'ai vraiment peur. Non, il faut vraiment qu'on trouve une solution pour qu'elle arrête de squatter le local, là. Eh, les gars, dites-vous, la souris, elle est là avant qu'on déménage ici, genre. Avant qu'on vienne ici pour la première fois. Genre, vraiment, ça fait depuis... Non, vraiment, j'en peux plus. Putain. Ah, les gars, là, il est 3h du matin. Il y a un fils de... Il s'est garé dans ma place de voiture, là. Là, t'es dans les gars, j'ai appelé le commissaire. Ils m'ont dit on n'a pas réussi à le contacter. Non, les gars, je vous jure, là, c'est qu'il se gare à la place des gens alors que c'est privé. Ouais, je veux pas dire tous les 15 jours que je lui ai dit, mais j'en pense pas moi. Voilà. Donc, je paye ma place, tu te gares dans ma place. Ça fait deux fois, ça m'arrive deux fois. La première fois, j'ai expliqué en stream, il m'a dit ouais, appelle pas la police, t'es seul, mais les frérots. Mais vas-y, ça vous avez pas de voiture. Je suis trop aigri. Viens de quitter mon live et je reviendrai plus au local jusqu'au 2 avril. J'avoue, dis ça comme ça. Non, les gars, c'est trop la chienneté, là. Il faut que j'économise un peu l'essence. Ah, les gars, Bachin Berlin, ça m'a mis à terre de fou. Vraiment, les billets, là, c'est un peu cher, hein. Donc, oui, mes prochains streams seront qu'à la maison. Voilà. Par contre, les gars, la souris, elle me fait vraiment chier. À un moment donné, il faudrait la tuer, cette souris, hein. Mais oui, les mecs, si je viens plus au local pendant ces deux dernières semaines, c'est parce que... J'y vais en Allemagne, aïe, aïe. Pardon. On se retrouve à l'aéroport. 10h54, les frérots, là. On est le 22. Hier, il y a un gars, il s'est garé dans ma place de parking. Il n'avait pas le droit. Si il est encore là, non, c'est grave. Je vais rien faire, mais c'est très, très grave, là, vraiment. Je vais prier pour la destruction de Clichy-sous-Bois. Les gars, il est encore là, ce fils de... Non, vraiment, là, je me suis dit, vas-y, Blake, il va rester un jour. Il va partir. Il est encore là. Non, vas-y, c'est trop. Là, vous voyez, là, j'ai mis un petit mot. Quitte ma place de parking. Ouais, j'ai écrit comme un sanglier, mais c'est pas grave. Je vous jure que s'il quitte pas ma place, je prie le Dieu Tout-Puissant que sa voiture se fasse soulever. On est J-1 avant que je parte en Allemagne pour Bachin Berlin. Voilà, là, on va aller, je partirai au champ, je vais m'acheter du pain. Parce que les frérots, là, je vais faire 17 heures, les gars, de route en bus. Je pense, je m'en rends pas compte. Carrément, les gars, pour moi, c'est je vais faire 24 heures dans un bus. J'ai pas pu m'acheter un billet d'avion. Ah, le budget est un peu ricrac, comme on dit, les gars. Je vais télécharger House of the Dragon saison 2. Je vais télécharger les épisodes de Seigneur des Anneaux quand ça va sortir à 9h du matin. Non, les gars, je vais télécharger tout. Comme ça, là, je serai à l'aise. Je serai à l'aise. Batterie externe. J'en ai 3, les gars, des batteries externes comme ça. Dans le bus,
je serai prêt, j'ai même des bonbons, des Nutella, Beridi. Non les gars, j'arrivais là-bas, je crois qu'il sera 5h du matin. Je pars à 9h le 29, j'arrive à 5h du matin le 30. J'aurai le temps juste de poser mes affaires en deux spies à l'hôtel, me reposer un petit peu. Ensuite, je commence à visiter un peu la ville, hein, ce que ça donne Berlin, je suis jamais allé là-bas. Les gens ils disent, oh, c'est une ville raciste, peut-être c'est vrai, moi je suis hâte. Puis ensuite, on va passer un excellent SmackDown et un excellent show, les gars, hein, ça va bien se passer. Hein. Bon, les frérots, là je suis arrivé au château de Versailles. Attendez, je vous montre, ça a trop de flou. Bon, vous voyez pas bien, mais là c'est le château. Là, je me dirige vers mon Félix Bus. 17 heures de trajet qui nous attend. Non, regardez les frérots. C'est Versailles, non? Ça tue flou, hein? Non, les gars, Félix Bus, c'est sérieux, hein? Je souffle déjà. C'est la pause de 5 minutes là. On est aux Pays-Bas là. Non les gars, 17 heures de trajet là, j'en reviens toujours pas là, je suis fatigué là. Oh non, c'est un calvaire. Là on est aux Pays-Bas. Attendez, je vous montre un peu l'environnement. Là c'est comme ça. Dans une baille de station essence. Bref, je suis impatient d'arriver en Allemagne. Les gars, je serai là-bas, je pense, vers 4h, 5h. Ensuite, je vais devoir marcher jusqu'à l'hôtel, je crois, 30 minutes. Les gars, à l'heure où je vous parle là, vous savez que je pars en Allemagne avec 80 centimes. On a dit on attend le risque, mais faut améliorer. Non, vraiment, les gars, je pars avec 80 centimes. Ça va le faire. Hein. On est là pour le show, on est là pour la passion, pour le divertissement. Oh, la tête de fou les mecs, là il doit être il est 21h18, on est en Allemagne, mais je sais pas où. Normalement je suis arrivé à destination d'ici 4h. Non les gars, on a un endroit, la tête d'homme je sais même pas lire, regardez. On est ici les mecs, je sais même pas si où. Bon les refs, je suis enfin arrivé à Berlin, 4h41 là. Je me dirige direct sur mon hôtel là. J'espère qu'ils vont me laisser passer. Hein. Attends, j'ai une tête de zob avec la capuche. T'as quand t'es pas dans un pays, vas-y, t'as pas envie de traverser comme un ouf. J'ai vu quelques décors. Berlin, les gars, ça flingue. Hein. Quand j'étais dans le Félix Bus, j'ai vu des châteaux, des trucs à masse. Après, ça stylé. Hein. J'ai dû dormir, vas-y, à la limite, peut-être 2 heures, grand max. Non, vraiment, j'ai mal aux fesses. Je suis épuisé. J'espère juste que je peux me faire agresser par un kraken. Non. Qu'est-ce que je suis prêt à faire, les gars, pour le catch? Là, je voyage à Berlin avec 80 centimes dans le compte en banque. C'est inédit. Qu'est-ce que je ferais pas pour le catch? Vraiment. Croyez quand je dis ça, je troll. C'est vrai. On va boire que de l'eau, ça. Ça nous suffit. J'essaie de faire Belek. Parce que tout à l'heure, là, j'ai vu dans la communauté catch, il y a un gars qui s'est fait agresser. Et je vous jure que ça m'a mis. Pas un coup au moral, mais ça m'a fait un peu en mode wow, c'est chaud. Comme quoi, les agressions, ça peut arriver à tout le monde. Après, ça se trouve, les gars, j'ai changé d'avis quand je vais aller à l'hôtel. En plus, à l'hôtel, j'ai envoyé un message, je dis ouais, j'ai arrivé à 5h du matin. Ils m'ont dit non, le check-in il se fait qu'à 15h. Après, j'ai expliqué, j'ai dit ouais, mais j'ai payé pour le 29, mais je serai là que le 30. Ils m'ont dit oui. Donc là, j'espère que ça va le faire. Avec Berlin, j'aurais quasiment fait un tour d'Europe pour le catch. Hein. J'aurais fait Lyon. J'ai fait l'Écosse et là je fais croyant craquette. Moi j'avance vite. Sorry. Oh, j'étais sur une voie de vélo. C'est ça dans sa tête. Là je dis sale noir, obligé. j'ai gêné la voie. Là t'as dit, je suis pas à Paris, je suis à Berlin. T'as dit, je sais pas comment c'est l'environnement. Si je me fais agresser. Ah. Oh, attendez, Théma. Tu peux acheter du stuff de la police. Vas-y, après les gens vont croire que j'ai un pro-policier. Mais je trouve ça a du flow. Hein. Mal le chien de Ghost quand t'avais le pinstruc. Les gars, faut qu'on parle d'un truc. Les toilettes dans le Félix Bus, je pense que c'est un avant-goût de l'enfer. No joke, les mecs. L'odeur qu'il y a, j'ai cru que j'allais mourir.
En fait, dès que tu rentres, t'as l'impression, tu vois, il y a une pression spirituelle de pipi. De pipi partout. Et c'est atroce. Conseil, si vous avez un long trajet avec le Félix Bus, posez un classique chez vous une dernière fois. Hein. Forcez même. Hein. Moi, je connais pas, j'attends. J'ai pas eu de. Là, les gars, je suis pas chez moi. En plus, sûrement, le logo là des piétons, il fait le signe de Nino, destin. Et tout ça, je crois que c'est le destin. Il est 4h56, je suis là dans 16 minutes. J'espère qu'il y a quelqu'un à l'accueil. Quand c'est quelqu'un à l'accueil, je vais filmer. Vous allez voir une interaction en anglais. Et en plus, là, je sais même pas, je vais lui dire quoi. Je vais dire, non, je vais dire, hello, comment dire réservation? My name is Sadio and I reserve a chamber this hotel. Oh, je vais parler comme un ouf. Pas grave, après, on doit laisser. Hein. Faut bosser. Hein. De toute façon, moi, les gars, dans n'importe quel pays, le langage universel, juste des gestes, ça fonctionne. Attention, il y a des mecs ici. Mais attends, mais c'est une prostituée ou quoi, wesh? Vas-y, on va s'en discret. Non, en plus, je me suis dit, ouais, pendant 17 heures de trajet, je me suis dit, vas-y, je vais regarder House of the Dragon, tout ça. Oh, j'ai eu trop la flemme. J'ai regardé aucune série. J'étais juste sur Twitter, j'écoutais de la musique. Je voulais voir si Dokkan Battle, ça nous a donné des deaths pour le top, pour la nouvelle célébration. Toujours pas. Et voilà, je tourne en rond. Oh, je me faisais chier, les mecs. Hello? Excuse me? Ah, c'est dingue. Excusez-moi, on est un renseignement. On m'a regardé. On m'a dit, tiens, sale noir. Non, mais voilà, moi, je vous le dis. Hello? Vous parlez français? Vous parlez speak French? Ah, gagne, je parle German. Do you see the Space Night capsule hotel? Das weiß ich nicht, sorry. Ok, no problem. Je vais dormir dehors, on dirait. Ouais, je crois que j'ai trouvé. Hello. This is my reservation. Ok, d'accord. Ok. Thank you. Pour ceux qui ne savent pas, les gars, je vais dormir dans un truc comme ça, dans une capsule. C'est bon, les gars, j'ai réussi à ouvrir. Guettez comment c'est petit. Oh, ah. Attendez, faut que je mette ça. Ici, voilà. Là, c'est comme ça, les mecs. Je vais dormir là-dedans. Ah ouais, les gars, et si vous êtes claustrophobe, c'est pas la bonne planque. Hein. Moi, je vous le dis, les mecs. Non, les gars, vous avez vu ce que je suis prêt à faire pour le catch. Mais il faut juste que je trouve un endroit pour me laver. Là, je sens, là, je peux pas dormir comme ça. Faut que je me lave au moins. Bon, là, les frérots, là, on est dans la salle de bain. En fait, regarde, je vous montre comment c'est. Tu vois, il y a plusieurs compartiments. Je crois que tu prends une serviette et tu te laves. Ouais, les refs. Bienvenue dans mon abri atomique. Alors là, je me suis lavé un petit peu. Il est 5h47 du matin. Je vais aller enfin dormir. Et j'ai l'impression, les gars, je vis dans un abri atomique. Oh non, ça me fume. Parce que là, c'est vraiment là, je vis dans une capsule. En plus, t'as capté mes affaires. Je pouvais les mettre dans un casier. Mais j'ai essayé là, en mode la chienneté. T'es mal, les gars, l'ambiance. En mode, t'as capté Starfield. Heureusement, je fais que de nuit. Hein. Mais c'est une expérience de fou. Là, je suis mort de rire. Je vais aller faire une petite sieste et ensuite on se retrouve pour SmackDown, les frérots. En tout cas, c'était lourd. Bon, les frérots, on est vendredi. J'ai fait ma nuit complète à l'hôtel. Bon, on va se diriger vers SmackDown. Franchement, les mecs, c'est une expérience de dormir dans une capsule. Bon, c'est marrant 2 minutes. Mais vas-y, à un moment donné, c'est chiant. T'es bloqué. Vraiment, si t'es claustro, faut pas faire ça. Quand il faut que je mange, là, j'ai pas mangé. Mais quand j'allais vers la direction du Superstore, je pense qu'il y aura des magasins. Ouais, je viens toujours sortir des métros de Berlin. Et franchement, c'est la chienneté un peu. Hein. Genre, ça fait très vieillot. Franchement, si je dois comparer par rapport en France, la France est largement mieux. Aussi, je trouve que la ville de Berlin, elle a trop une vibe d'industrialisation. Ouais, peut-être en disant ça, j'ai rien apporté, mais c'est le ressenti que j'ai. Industrialisation. Puis voilà quoi. Je sais pas si vous voyez. Ah, les gars, tu sors d'une Cena. L'endroit, c'est ici, les mecs. Superstore. Bah, il y a du bon stuff. Hein. Ah, il est là, les mecs. Ah, les gars, c'est ici, le Superstore. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà une queue. Donc, c'est tout ça. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a. On a toujours des t-shirts de merde. Hein. T'es ma 40 balles. Ah, ils sont forts. Ça va tout partir, les gars, la fausse ceinture. J'en ai déjà une chez moi. T-shirt. Mais en fait, moi, c'est ça qui me choque. 40 balles. Et on sait tous qu'ici, c'est du Made in China. Non, niveau marche, ils se touchent. Non, les gars, je suis obligé.
Désolé frérot. On est obligé. Il n'y a pas grand chose. Hein. Allez frérot. Juste un porte-clés là et je me taille. Je suis d'ici du superstore. La douleur m'habitue à mieux là. Bon les frérots, je viens de sortir du magasin. Il y a 70 euros qui viennent de partir d'un coup. En plus, c'est que des petits articles. Non, je suis vraiment le pigeon de la WWE, les gars. Là, il faut le dire. Quand on est passionné, on compte pas, non, c'est ça? Je me suis dit, Bellec, je vais sortir avec 30 balles, 110 balles. Non, la vie, ça va trop vite. Là, je me dirige vers l'Uber Arena. Il y a le kick-off qui a commencé, là. Let's go! Ouais, les gars, je sais pas si vous entendez, là. Mais c'est le kick-off. Il y a du boucan de dingue. Ça me rappelle Backlash. No joke. Ouah, je suis choqué. Oui, j'entendais le bruit, les mecs. Non, oui, qu'il est chaud. Il y a noir de monde, je suis choqué. Non, les mecs, c'est bouché de guedin. Je vais essayer de me confiler, on se retrouve tout à l'heure. Mon vieux Drew McIntyre. Oh, regardez, il a craché dans le public. Le champion. Un peu timide. Hein. On dirait une musique TikTok. Ils connaissent que le refrain. Là, le kick-off il vient de se terminer. Le show il commence à 18h. Donc en attendant, j'allais partir manger un petit bout. Ensuite, on se retrouve directement pour SmackDown. J'espère qu'ils ne vont pas me casser les couilles avec ma caméra. J'essaie de la cacher dans mon stuff. Mais normalement, ça a l'air d'être OK. Franchement, le public allemand, il a l'air d'être pas mal. Mais plus chaud que la France, ah, je sais pas. Je suis enfin dans l'arène. Au moment où ils m'ont pas pété avec la caméra, c'est carré. On va essayer d'être discret un peu jusqu'à que j'arrive. Placé là, là c'est juste à côté des entrées. I used to pray for times like this, to run like this, so I had to grind like that, to shine like this. La musique elle est incroyable avec la promo. Ça arrive.
Il est pas gros lui. Parce que je suis lui, c'est pour ça. Il arrive. Si on nous est une défaite. Celui qui mange le miel. Oh là là, c'est un peu calme. J'espère qu'il y a un magasin du type Lidl, tout ça qui est ouvert là. On va acheter des petits trucs. Ensuite, ça va aller se poser dans le bunker. Putain, j'ai même pas eu le temps de profiter clairement de la ville. Hein. Après, vas-y, je suis allé dans le tas en mode en rapide, comme je le dis. Donc, allez, c'est pas grave. Ouais, ouais, les refs. Là, c'est le jour J au Bash in Berlin. J'ai un flou, les mecs. Durag, Lunette, Main Event, Che, Ousso, MVZR, mais cassez pas les couilles, c'est pour cacher ma caméra. Le meilleur pour la fin. Le pantacourt. Bon, vous voyez pas bien comme ça. Ah, le mec, quoi, c'est dit Ousso. Juste avant, les gars, je vais aller me copier mon t-shirt haut ici, les frérots. Et je vais le porter quand je vais aller faire les vidéos de cru. Non, les gars, vraiment, t'as l'impression que c'est des super soldats. Mais non, les gars, c'est là où je dors. Comme on n'a pas de talle, on dort dans des conteneurs. Les gars, il y a un interview en direct. Belek, je passe à la télé. Là, elle est en train de chouiner parce qu'elle passe à la télé. Non, voilà, je sais pas où. Faut pas pleurer.
scène là, avec les transformations dans Dragon Ball. Dans les Island to Catch. Hashtag à l'époque. Là on est arrivé, là c'est Machine Berlin. On est bien installé. À SmackDown, j'étais placé vers l'entrée. Et là je suis vers le coin. Wow! De là où je suis, je vois très très bien le ring. Juste là en plus il y a la régie. Il y a la régie ici. Bravo. Bravo. Émotion.
qu'elle va faire drummer taunt. Choqué, les mecs, l'a fait dormir. Roman Reigns. Je crois que t'as compris, mais c'est fort. Non, le général, c'est fort. Bash in Berlin, c'est terminé. Les gens ils commencent à partir. Je pense que c'est l'heure de faire un petit débrief à chaud là. En fait, le PLE en soi, il est incroyable. Celui qui est incroyable. Le seul bémol, c'est que tout était prévisible. Malheureusement. Au niveau divertissement, on en a eu. Mais c'est juste ça le problème. Tout était prévisible, mais incroyable. Et oui, vous avez posé la question, est-ce que le public il est mieux que la France, nanana. Oh, c'est bon les gars, laissez-nous tranquille. Le public il était bien. Voilà, c'est un bon public. Là, j'ai passé des bons moments. J'ai même parlé en allemand. J'aime pas ce que je disais. Non, Bash in Berlin, c'était fort les mecs. Bon les frérots, je viens de sortir de l'arène. On n'oublie pas le Nord. On va aller se servir du Prime. Lui les mecs, c'est gratuit. Je vois s'il n'y a pas sur la fraise. J'ai envie de tester. Non, il n'y a que le bleu. Le bleu, il est un peu mid. Non, Logan Paul, spotrise-moi ma gueule. Moi, je suis ta vraie promo. Je peux faire le chien et faire un demi-tour et reprendre une, mais ça va. On manque pas de rien, on va dire. Bon, les gars, si je vais vous faire un débriefing, là, franchement, le show, il était incroyable. Le public, incroyable. L'ambiance, incroyable. Bon, comme je l'ai dit dans mon TikTok, le seul truc qui est dommage, c'est que c'était prévisible. Mais sinon, l'ambiance, tout, j'ai grave kiffé. Franchement, les Allemands, c'est chaud, c'est chaud. Ce petit séjour en deux spies Berlin, j'ai kiffé les mecs. Bon, c'était court mais intense. Et en vrai, moi ça me va comme ça. Peut-être qu'on va se retrouver en 2025 à Londres. S'il y a SummerSlam, voilà, hashtag théorie. Voilà, ça va aller tester un kebab. Comme ça, moi j'ai zéro regret. On va tester ça. Par contre, c'est ouf. Oh non, il m'a donné comme ça. Même pas dans un sac, rien du tout. En mode la chienneté. Putain, j'ai la haine. Je suis obligé de le finir là. Putain, en plus, je vais manger ça dans le train, non, c'est la chienneté. Mais frérot, je sais même pas, je suis où. Je suis à un endroit où il fait calme. Je pourrais parler tranquillou. Non, la vérité, c'était trop lourd. J'appelle ça des voyages intensifs. Tu vas juste pour un truc et tu repars direct. Oui, j'ai quasiment le temps de rien faire. Juste, tu viens, objectif principal, hop, tu repars. Pas de quête secondaire, pas de trucs à masse. Et moi, ma quête principale, c'est le catch. Capté, hashtag matrixé. Oh, bro. Hi. How are you? Fine, and you? You are in Berlin, eh? No, I'm a French. I am the French, yeah? Well, but you are in the Berlin, eh? Now I stay in the Berlin. Oh, well, yes. I'm here for... holiday? Yes. From holiday? I'm go back in France. You go back in France, eh? Yes. You stay here from 2 days, 3 days, eh? Yes, that's it. I'm coming here for catch. You for, say... to catch. Bash in Berlin? Hello. Yeah, but you but can catch there also there. It's on club. Ah no, pas catch comme ça. Hein. Non, wrestling. Non, ça c'est un autre catch ça, monsieur. I love you, man. Non, tranquille, goodbye. Ah oui, il a passé un autre catch, les frérots. On se retrouve dans le Félix Bus. Là, je prends le bus pour 2 heures. Je serai de retour chez moi à 20h. 17 heures de trajet. Non, c'est du jamais vu. Vous voyez ce que fait la chienneté? Par contre, les frérots, là, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire, que j'ai grave le seum, là. Je voulais m'acheter un t-shirt Roman Reigns. Out ici, il n'y avait plus. Ah, je suis dégoûté. On va direction la gare. Je sais pas où, là, où il y a le Félix Bus. Puis j'ai regardé, là. Il va venir avec 1 heure de retard. J'ai déjà la haine. Il vient déjà en retard, alors que ça n'a même pas commencé. Non, vraiment, là, le trajet, j'espère que je vais faire un malaise d'au moins 10 heures. Bon, les refs. C'est l'heure de faire l'outro. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Ah, je suis fatigué les mecs. Et je suis resté 17 heures assis. J'ai même pas levé. Non, là c'était chaud. Bref, c'est déjà la prochaine pour notre aventure catch. Ah oui les frérots, les seuls trucs que j'ai acheté durant mon voyage, c'est ça. Je sais pas si je l'ai montré. Et le truc John Cena. Voilà, c'est tout.